Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Vous êtes de bonne humeur? Apporté par la joie de l'Évangile, hein? Cette joie qui nous amène, cette joie qui nous raccroche toujours à Jésus. Voilà qu'elle nous réunit aujourd'hui. Cette joie de porter cet Évangile, cet amour de Dieu pour chacun de nous. Alors, je vous invite à prendre un instant. Tournons-nous vers notre Dieu. Tournons-nous vers ce Père des miséricordes, afin qu'il nous apporte pardon et guérison. Seigneur Jésus, envoyé par Dieu le Père, viens guérir nos cœurs fatigués et troublés et prends pitié de nous. Ô Christ, notre Sauveur, viens nous faire revivre et prends pitié de nous. Seigneur, vainqueur du mal et de la mort, viens nous soutenir dans nos moments d'épreuve et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous aide à grandir de jour en jour vers la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Aimer, gloire à toi, Seigneur.
Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille et s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Il s'achève faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. Pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, mais elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert,
et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Mange-toi. Saint Paul proclame, je ne peux faire autre chose que proclamer l'Évangile. Voilà que le Seigneur m'a donné cette mission. Voilà que le Seigneur m'a demandé de pouvoir proclamer l'amour qu'il a pour l'être humain. Et Saint Paul affirme, et il a dit, il dit aussi que c'est par l'exemple qu'il a montré à ses frères, à ses sœurs, à être des évangélisateurs. C'est par l'exemple que tous peuvent le regarder et faire de même. Parce qu'être évangélisateur, ce n'est pas simplement parler. C'est aussi montrer l'exemple. On avait envoyé un prêtre aller proclamer l'Évangile en mission. Et on lui avait dit, évangélise, et à l'occasion, tu diras quelques mots. Autrement dit, ce n'est pas tant par la manière dont on dit les choses que nous évangélisons, mais par notre exemple, par l'effort que nous mettons, par l'engagement que nous mettons à annoncer Jésus-Christ. C'est toujours quand on remarque un effort qu'on peut être fasciné. Hier, j'écoutais le match des étoiles, les concours d'habileté, et tu voyais qu'il y en avait qui mettaient tout leur cœur pour réussir. Et puis, il y en avait un qui avait manqué une fois son coup et qui avait décidé qu'il abandonnait pour le reste de la veillée. Il faisait les activités, mais sans grande conviction. Et la foule le huait. La foule avait payé grand prix pour voir les meilleurs joueurs d'hockey au monde. Et voilà qu'il y en avait un qui avait décidé qu'il ne participait pas à la fête. Mais je me demande si quand on veut évangéliser, quand on veut dire aux gens, soyez des bons chrétiens, si quand ils nous regardent, ils sont fiers de nous, ou si quand ils nous regardent, ils nous disent, t'es pas mieux que les autres, passe un autre appel. On a cette pression, nous, comme chrétiens, d'avoir à aimer mieux que les autres. Parce que déjà, nous savons que nous sommes aimés. Nous savons que Dieu est venu jusqu'à nous. Et nous le voyons dans l'Évangile, Jésus qui vient prendre soin des malades. Et même Simon-Pierre demande à Jésus de guérir sa belle-mère. Si ce n'est pas un acte de foi, ça, je me demande c'est quoi. Excusez. Je veux rien dire contre les belles-mères. Mais simplement que voilà qu'on apporte à Jésus les malades. Voilà qu'on fait confiance à Jésus. On prie pour eux, on les amène à Jésus et Jésus les guérit. Saint Paul a pris exemple sur Jésus. Oui, il a guéri des malades lui aussi, mais d'abord et avant tout, il a été avec les pauvres, il a été avec les faibles, il a
Il a, dans plusieurs communautés, travaillé pour avoir sa pitance, pour avoir sa nourriture. Il ne pouvait se fier uniquement à ce que les autres le nourrissent parce qu'il était un apôtre. Ce n'est pas en sa qualité d'apôtre qu'il voulait être reconnu pour sa nourriture, pour son salaire, mais son message, son évangile, la proclamation de l'amour de Dieu était plus importante pour lui que d'être reconnu et d'être nourri. Saint Paul nous rappelle que comme Jésus, il est aussi le temps de la prière. Peut-être que vous n'avez plus les capacités d'être des évangélisateurs de porte en porte, mais vous avez encore la capacité de prier. Vous avez encore la capacité d'être en lien avec le Père, avec l'amour. Jésus est sorti de bon matin. Il est sorti alors que tout le monde est encore en train de dormir, parce qu'il voulait être avec son Père. Il voulait se ressourcer. Il voulait être en relation avec celui qui l'avait envoyé, parce que l'amour est infini si on reste connecté à la source infinie. Oui, à travers ce geste, Jésus se remplit de l'amour de Dieu pour le répandre autour de lui. Il ne veut pas rester à un seul endroit, il veut aller répandre autour de lui, il veut aller répandre ailleurs dans les autres villes. Il n'est pas le Dieu d'une seule personne, mais le Dieu universel, celui qui se répand par toute la terre. Oui, aujourd'hui, nous pouvons parler d'Évangile, mais nous pouvons être certains aussi que le Seigneur nous regarde avec nos faiblesses, avec nos corps qui ont de la difficulté, avec nos cœurs qui sont en détresse. Comme Job, nous pouvons quand même compter sur Dieu. Il est là avec nous pour que nous puissions continuer d'être en relation avec le Père, en relation avec Jésus, mais aussi en relation avec nos frères et sœurs, puisque nous prions pour nos malades, pour ceux qui ont besoin de Dieu. Frères et sœurs, unis dans cette unique source d'amour, nous pouvons proclamer notre lien avec lui. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, dans la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La souffrance est toujours présente dans notre monde et notre Église. Confions au Seigneur tous ceux et celles qui attendent de lui courage, soutien et goût de vivre. Et nous répondons, Seigneur, montre-nous ton amour. La responsabilité
d'annoncer l'Évangile en parole et en acte. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les gens malades ou vivant avec un handicap, pour ceux qui sont oubliés par leurs proches, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur à la suite d'un deuil ou d'une séparation, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, souvent privées des soins les plus élémentaires, tout spécialement les mères et les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour le personnel des hôpitaux, pour les intervenants et les bénévoles dans le domaine de la santé, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes soient toujours plus attentives aux malades et qu'elles aient à cœur de leur offrir tout le soutien nécessaire, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Et Seigneur, je veux te présenter Marcel Gagnon qui vient fêter son anniversaire ici à l'église que j'ai rencontré avant la messe. Elle a choisi de venir célébrer avec toi. Nous te la confions pour son anniversaire, son 87e. Seigneur, nous te prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, source de toute vie, nous sommes souvent démunis devant le malheur des personnes qui souffrent. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent, à l'exemple de Jésus, ton Fils, qui s'est fait proche des malades et qui est vivant pour les siècles des siècles. Je crois en toi, Seigneur Jésus, toi ma lumière, en ton esprit, en tes enfants, fils de lumière. Je veux marcher dans la clarté, dans les chemins de vérité, fais-lui en moi ton amitié jusqu'au matin d'éternité. Oh,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi par ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Thank you.
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions particulièrement pour Nazaire Picard, pour Philippe Doyon et pour Ottila Todd. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le cœur confiant, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a prise pour louer notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, puisque l'Évangile commence déjà par le soin de nos frères et de nos sœurs, échangeons-nous un signe de cette paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe, nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Bonjour à tous. Alors, j'ai quelques petites annonces. La première, c'est que pour le dîner bénéfice des Chevaliers de Colomb du 18 février, Mme Louise Hébert, qui est assise là, dans l'avant-dernier siège, là à gauche, a des billets. Alors, si vous en voulez, vous pouvez aller la voir après la messe. Aussi, si vous avez fait un don à la paroisse l'année dernière, les reçus d'impôts sont prêts, ils sont là. Après la messe, vous pouvez venir me voir et me dire le nom de votre rue, et puis je vais pouvoir vous remettre votre reçu. Soyez patient, attendez les 30 secondes que la chanson de sortie se termine, puis je vais me rendre à la table.
pour les gens du monastère, tous les reçus ont été remis à la réception. Alors, vous allez les recevoir soit dans votre boîte aux lettres, soit à votre porte. Merci beaucoup. Alors, il nous reste maintenant à être des porteurs de bonnes nouvelles, portés par la joie de l'Évangile. Soyez joyeux d'être venus célébrer, joyeux d'avoir reçu le Christ. Soyez heureux de pouvoir être dans une communauté de priants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Christ aujourd'hui nous salue.